Test micro, bonjour. Hello mes étrangers, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien et aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode 6 de notre maman à 16 ans. Et du coup j'ai regardé vos commentaires. Et même si voilà, il y en a pas mal que du coup j'ai pas pu faire parce que j'ai fait pas mal d'épisodes à la suite. Mais en tout cas, j'espère que vous allez bien. Et du coup, on va déjà commencer par faire une chose. Alors une personne m'avait dit en commentaire qu'on pouvait genre annuler l'avancement du temps, des sims, bref de génération. Du coup ce qu'on va faire c'est ce qu'on va faire tout simplement. C'est très le français, je sais. Mais du coup on va le faire. En gros dans le gameplay on peut âge automatique des sims, non. Parce qu'en fait du coup je préfère choisir moi-même quand ils vont grandir pour que ce soit plus logique. Parce qu'effectivement, là, actuellement, les enfants vont grandir, enfin, les bambins vont devenir enfants avant qu'elle, elle ne devienne adulte. Et moi, je trouvais pas ça forcément logique, techniquement, elle devient adulte pendant qu'ils sont bambins encore. Étant donné que, voilà, les bambins, je pense que c'est jusqu'à 2-3 ans, quoi. Et encore, enfant, je pense que c'est 7-8 ans. Du coup, c'est pas logique qu'elle devienne adulte, enfin, qu'eux deviennent enfants, et elle, seulement après, adulte, c'est... Voilà, ils grandissent trop vite par rapport à elle. Du coup, on va faire ça, on va voir si ça fonctionne, enfin, du moins, je l'espère. On va appliquer les petites modifications. Et voilà, donc la demande de bourse a été faite, mais du coup, je sais pas comment ça a fonctionné, hein, parce que du coup, je sais pas si c'est au moment où on s'inscrit. Du coup, il faut qu'on aille s'inscrire à l'université, mais c'est peut-être encore un peu tôt, parce qu'elle est encore, voilà, au début de sa scolarité, enfin 16 ans, enfin techniquement, elle a 2 ans devant elle pour s'inscrire à l'université. Mais est-ce que si je m'inscris, ça va l'inscrire uniquement pour quand elle sera adulte, du coup, est-ce qu'elle pourra déjà avoir une bourse? Enfin, il y a plein de questions, du coup, peut-être aujourd'hui, on va aller dans cet épisode-là à l'université déjà pour voir au niveau des inscriptions, pour savoir comment ça fonctionne, mais là, pour l'instant, elle est fatiguée, on va la laisser dormir, et je parle beaucoup. Oh non, il s'est fait caca dessus, il vient la réveiller, c'est pas possible, mais Scott, mais ça ne va pas, Scott. Effectivement, je viens de vérifier au niveau de la simologie, on ne voit plus les jours avant qu'ils grandissent. Oh non, 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 qu'est-ce que tu fais, Scott? En plus de s'être chié dessus, mais de la peinture partout, ça ne va plus. Est-ce que tu peux l'engueuler? Ça lui ferait genre, tu vois, tu deviens un parent. Sermonner à propos de la mauvaise conduite, c'est bien Ashley. Je sais que t'es encore une ado, mais faut que, quand même que tu te montres parental et strict envers ton enfant qui vient te mettre de la peinture jaune et bleue. Ah oui, il y a une chose aussi, en re-regardant mes épisodes, oui c'est bizarre de regarder ses propres épisodes, mais vu que je mets souvent en avant-première, ben du coup je regarde avec vous les épisodes et du coup je me suis rendu compte d'un truc. Pourquoi, enfin il y a pas mal de gens qui me demandaient si on pouvait pas enlever cette, voilà, ce truc par terre blanc qui représente quelqu'un qui est décédé ici avant. Si on pouvait pas l'enlever, alors non on ne peut pas l'enlever, on ne peut rien faire avec ça. Par contre, il y a une chose que l'on peut faire, c'est tout simplement mettre un tapis dessus. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé avant, mais on va acheter un tapis, on va recouvrir ça. On a... Ouais, mais est-ce qu'on a assez d'argent? Je ne sais pas. Alors, ils sont en train de pleurer, mais d'abord, vous allez manger, mes petits enfants. Vous allez manger. Elle commence à avoir vraiment très faim. Ah, ils sont tous en train de manger. Par contre, les deux enfants, ils puent. Les deux enfants puent. C'est pas ouf. Bon, il ne serait plus que la mère, elle pue aussi avec, hein. Et ce serait la totale, les gars. Ouais, je crois que j'ai jamais vu Ashley aussi bien dans le verre, hein, qu'aujourd'hui. Par contre, les deux enfants, là, ils puent vraiment. Oh, on dirait... Oh non, c'est pas possible, ça. Alors que tu les nettoies. Allez, on va les... Ouais, on va faire un bain. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas, genre, mettre les deux enfants dans le bain en même temps. Parce que, en vérité, je trouve que c'est une bonne idée de donner un bain à deux enfants en même temps. Enfin, ça dépend. Je suis pas maman, mais moi, je me rappelle quand j'étais petite, hein, je me lavais avec mon frère. Du coup... Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Après, peut-être qu'ils sont encore un petit peu trop jeunes pour ça. Et que ça demande encore beaucoup de surveillance dans le bain. Ensuite, elle va nettoyer ça. Et puis, écoutez, on va aller à l'université. On est samedi 13h avant qu'il soit trop tard. Oh non, 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 elle est malade. C'est vrai qu'on a le choix entre deux universités. Est-ce qu'on va dans la version technologique ou celle-ci à droite? J'ai envie de dire, on a tellement monté. De base, c'était pas ce que je voulais faire. Hein. Je voulais partir sur vétérinaire. Mais peut-être que finalement, on va plutôt partir sur tout ce qui est technologie et peut-être improviser. Parce qu'en fait, avec toutes les réparations qu'on fait dans cet appartement,
Eh ben, je pense que elle a l'âme d'une bricolo finalement. Donc pourquoi pas l'envoyer à l'Institut Foxbury. Et moi, en même temps, cet institut-là, bah, moi, je pourrais la découvrir puisque j'avais déjà découvert celle de droite, donc l'Université de Brightchester. Du coup, on va aller ici. Ok, on est arrivé sur place. On est envoyé à la garderie, parfait. On va être sur pause, le temps de prendre un petit peu le... Voilà. Regardez un petit peu ce qui se passe. Donc là, il y a la statue, tout ça, tout ça. Comment que ça fonctionne? Ici, c'est quoi déjà? Obtenir des informations sur l'université. Ok, inscription. On va se renseigner d'abord sur l'inscription. Donc elle est un petit peu dans le mal, mais ça devra aller quand même. Et pourquoi elle n'est pas contente? Trompée à cause d'un bambin, bah tu devrais être contente, c'est mignon. Ok, wait. Les Sims adolescents reçoivent une brochure spéciale de la part de leurs écoles lorsqu'ils peuvent postuler à des universités. Tous les Sims plus âgés peuvent postuler à tout moment à l'aide d'un ordinateur ou d'une boîte aux lettres. Après avoir envoyé une candidature, les Sims reçoivent rapidement le résultat qui leur indique dans quel cursus prestigieux ils ont été acceptés en tant qu'étudiants. Avoir de bonnes notes au lycée ou de l'expérience dans les compétences pertinentes peut être très utile pour décrocher une place dans un cursus prestigieux. Cependant, les candidats qui ne sont pas admis dans ces cursus peuvent toujours intégrer un cursus ordinaire. Les étudiants peuvent ensuite s'inscrire pour leur premier semestre, dans notre université à l'aide d'un ordinateur ou d'une boîte aux lettres. Le formulaire d'inscription leur permet de choisir leur université, leur diplôme et leur logement. Avant de les laisser se lancer dans la grande aventure des études supérieures. D'accord. Et j'aimerais bien me renseigner sur les bourses. Du coup, j'ai l'impression qu'on ne peut pas s'inscrire avant d'être à l'âge adulte. Donc, on ne peut pas s'inscrire à l'avance. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Je suis un peu déçue de ne pas pouvoir avoir déjà une bourse. Bon, d'un côté, c'est un peu logique. Hein, la bourse, elle est là... comment dire? Elle est là au moment où on rentre à l'université, hein, et pas avant. Par contre, on peut assister à un cours de compétences. Mais bon, on n'a pas de sous. Logement universitaire, non. Écoutez, tant qu'à faire, on va... pendant que les enfants sont à la crèche, entre guillemets, on va regarder... Tiens, on va regarder avec Fletcher, ici. On va regarder la télé, hein, quand même. Hein. Parents indignes qu'on est, hein. Oh, le travail d'Ashley commence dans une heure. Ah, merde. Bon, écoutez, on va l'envoyer directement à l'université... à son travail, hein. Ah oui, il y a tout le monde qui se ramène, hein. Clairement. Par contre, leur chapeau, là, de sorcière. Oh, allez, va au travail. Tu vas être en retard. Surtout qu'en plus, on attend une promotion. On croise les doigts pour une promotion, les amis. Ok, elle est rentrée. Et n'a pas eu de promotion. Super. Par contre, j'ai pas fait gaffe. Hein, parce que peut-être que elle n'a pas de promotion. Tout simplement pour la bonne raison qu'on n'a pas ce qu'il faut. Donc là, elle a quoi à l'école? Elle a... Un A, il me semble. Hein. Ouais, A. Et du coup, ici, excellent. Donc, c'est très bien. Demain, elle travaille. Et tâche promotion. Non, c'est bon. Normalement, elle est bonne. Pourquoi elle a pas... Mais... Travaille dans 20 heures. Est-ce qu'on peut, genre, inviter collègue de travail? Ok. Elle a pas de collègue. Alors, est-ce que je dois m'inquiéter sur le fait qu'elle ne... qu'elle n'a pas de collègue au travail? Oh, ils sont trop choux. On va peut-être faire passer un petit peu de temps entre eux, quoi. Mais il marche super vite, cet enfant. Oh, regardez ça, comment il court. Hé, hey, calme-toi. Regardez, il va super vite. Ah, il fait trop délire. Mouvement. Ah bah oui, parce qu'il a 5 en mouvement. Communication 4, imagination 2. Le pot. Ok, il va falloir que je lui apprenne à aller sur le pot. Donc ça, ça sert à rien. Étudier les formes, vas-y. Étudie les formes. Ouais, mouvement 5 et là 3. Mais trop bien, hein. Trop bien. Imagination. Comment on fait pour l'imagination? Il faut que je lui apprenne... Un... Enfin, il faut que je leur achète des jouets. Oh mon dieu, mais trop bien. Oh, c'est l'automne. Oh bah... Oh, oh bah trop bien. Elle travaille à quelle heure déjà? Elle travaille à 17h. Je pense qu'on a le temps de voir pour un petit job. Donc, nous sommes ici en train de chercher un petit job pour notre petite Ashley. Oh, il est trop mignon, le petit cochon. Ça me fait penser à Bacon. Pas du bacon à bouffer, hein. C'était le nom de mon cochon dans GTA, hein. Au cas où vous le demanderiez. Alors dit ici nous avons donc malice, on n'a pas de malice. Jardinage, on n'a pas de jardinage, enfin on n'a pas augmenté. Charisme, ça on peut. L'étreinte de l'océan, fitness niveau 3, ça on peut le faire aussi. Échéance, donc ça c'est un truc à faire. Et du coup je pense qu'on va faire ça, parce que 658$ c'est beaucoup. Fitness, on est au niveau 4, donc on a ce qu'il faut. Et ça rapporte beaucoup d'argent. Donc je pense qu'on va faire ça. Mais je sais pas c'est quoi qu'il faut faire. Bonjour, je suis Uku Panipo. Alors voilà, j'adore l'océan, ces vagues souples qui dansent de façon agile le long de la côte.
sa surface sciant, bon, il raconte trop sa vie, blablabla, et pourtant, il est sombre et profond, on cache d'énormes dangers. Nanani, nanana, vous aurez ma... Alors, il faut faire quoi? Que faire? Pourriez-vous aller dans les profondeurs de mon océan pour apporter des preuves de son affection? On va prendre ça. On va envoyer les enfants à la garderie, et puis nous, on va aller à Sulani, hein. Ah, voilà, ici. Ici, il y en a une. Ah, peut-être que c'est pas suffisant. De toute façon, on va aller voir dans les jobs. Donc, petit boulot, qu'est-ce qu'il nous demande? Voilà, il faut aller dans les eaux profondes. Par contre, je comprends pas le acheter un outil trésor. Alors, ici, ça va pas. Mais là, on est bien. Là, ouais. Matériel de plongée. Ah, d'accord, outil trésor. Alors, comment vous dire que cette mission est impossible à faire, étant donné qu'apparemment, il faut acheter l'outil trésor. Et que comment vous dire que je n'ai pas ça? Je n'ai pas d'argent, surtout, pour l'acheter. D'accord, tu m'étonnes qu'en fait, cette mission donne beaucoup d'argent. Mais malheureusement, ce ne sera pas possible pour nous de la faire annuler le petit boulot. Par contre, j'ai peur que ça va nous faire perdre... Ça va nous faire perdre un petit peu, voilà. Ce n'est pas grave, mais quand même, il n'a pas apprécié ce comportement de girouette. Eh ben, s'il n'est pas content, occupe une peau, ben, il a qu'à me donner 1 200 $ pour l'outil trésor, d'accord? On va voir pour un autre petit boulot, hein, du coup. Alors, photographie, on n'a pas. Charisme niveau 3, je sais pas combien que je suis en charisme, par contre. Hein. Ça, je peux, dès que possible. Commence à 14h dimanche. Ok, 14, 15, 16, 17. Est-ce que ça prendrait plus de 3h? Par contre, si ça prend plus de 3h, je suis embêtée. Hein. Je suis vraiment embêtée si ça prenait plus de 3h, hein, vraiment. Hein. Vu l'avancement du truc, je pense que j'ai pas fini, là. Je vais être en retard au boulot. Et je vais pas avoir ma promotion. Oh non. Oh, attendez, stop, quoi. Promotion, elle a quand même été promue alors qu'elle avait 2 heures de retard pour aller à son métier. Ok, on va voir un petit peu. Donc, fantastique réussite. Donc ça, est-ce que c'est par rapport au juge? Donc on a gagné 130 $ en allant à la plage pour être le juge. On est parti travailler. Et du coup, promue au poste de siffleuse prolifique. Ashley a été promue siffleuse prolifique, elle gagnera désormais 8 $ de plus par heure, soit 48 $ de l'heure au total. Ouh, on commence à bien être payé, hein. Elle a également reçu en bonus très grande serviette de plage maître nageur et sa prochaine journée de travail commence jeudi à 17h. Du coup, elle travaille du jeudi au dimanche de 17h à 21h et elle gagne 48 $ de l'heure, je vais y arriver. Donc on est bien, par contre maintenant, si on regarde au niveau, oula merde, les devoirs, j'ai complètement zappé les devoirs, comment vous dire, par contre ici, pour la prochaine promotion, est-ce qu'elle est arrivée au max, maître nageuse 3, est-ce qu'on peut encore augmenter ou pas, parce que je ne vois pas les exigences pour la prochaine promotion, la crème solaire, les sifflets et un requin de temps en temps font partie du quotidien d'une maître nageuse. Vous adorez nager à la sécurité et hurler sur des enfants turbulents qui essayent de noyer leurs amis. Alors cette carrière à temps partiel est faite pour vous. D'accord, bah écoutez, on a quand même réussi la promotion. Par contre, je me pose... Je vais quand même vérifier si c'est le dernier ou pas au niveau de la carrière. Et moi, je vais m'arrêter là, je vais vous faire de très gros bisous. Et du coup, je vais vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo avec notre maman adolescente. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt.